Bien, voilà, mesdames et messieurs, le prochain que nous allons accueillir ici, sur cette scène, il s'appelle, et j'aimerais que vous puissiez l'accompagner avec vos ovations, il s'appelle Afi Dipi, sous vos ovations, mesdames et messieurs. Voilà. Yaga, yaga, ça. Afi Dipi, on a un microphone. C'est bon. Mais mon ami, faut revenir encore, s'il te plaît. C'est-à-dire, moi non, quand on m'appelle, quand on m'énonce, moi je veux que les gens écrivent mon nom. Tu comprends, non? Non, faut t'asseoir d'abord, Voilà, faut t'asseoir. Quand tu viens, tu m'énonces, tu fais mon atamaku beaucoup. Tu comprends, non? Tu dis les choses que je n'ai pas fait dans ma vie, tu dis ça. Ce que je n'ai jamais fait, tu dis ça. Tu comprends, non? Maintenant, vous criez mon nom. Vous me connaissez, non? Merci. Vous criez mon nom, les femmes disent, il faut me sentir. Je vais te faire des enfants. Tu vois ça, s'ils disent ça, je viens de faire les enfants. Tu es d'accord, non? Tu viens refaire ça. Et voilà, mesdames et messieurs, sachez que ce casting, il a été spécial puisque nous avons dû prendre un jet pour aller aux États-Unis. Vous amener un artiste actuellement. Si vous sortez sur le goudron, je vous assure que son avion a barré la route. Les voitures sont là en stand-by. Il est là en PDP. Attends. Comment avion? Tu dis Jeff Test. Jeff 7. Jeff 7. Voilà, tu dis ça pour le demain. Et puis, vous clé mon oeil. Les frères disent, je vais monter dans ton zétex. Tu vas me sentir dans ton zétex. Mesdames et messieurs, sachez qu'il n'a pas de préservatif puisqu'il vous dit qu'il va vous sentir dans son jet set. Happy the peace. Voilà, dis, voilà. Yaga, yaga, ça. Ah, pidi, mais on a macro. Eh ben, dosez. Ah non, de maman. Quand les gens écoutent ça comme ça, le moins, l'album va sortir, ils vont pas acheter. Tu gardes d'abord. Ça va ici, là. Non, attendez, j'ai envie de pisser. On peut pisser ici? Est-ce que j'ai fait pisser ici? Oui. Tu connais Koku? Pardon? Je peux pisser? Oui. Parce que je n'ai pas remarqué, j'ai écrit interdit de... Non. Voilà une famille, elle passe. Elle a envie de pisser. Elle regarde. On a dessiné un homme. Il a senti son babazou. Après, elle pissait. On a dessiné un 10 000. Elle regarde. Elle descend son truc. Elle pisse. Un monsieur la voit. Elle dit, mais, madame, tu vois pas? Tu es malade? Madame dit, mais je vois. Mais tu vois, tu pisses. Monsieur, je dis, je vois. Tu vois pas que j'ai la vue. Je vois. Là-bas, on a fait quoi? On a dessiné un homme à très pisser. On a dessiné un billet de 10 000. Est-ce qu'on a dessiné femme? Si vous ne veux pas que femme va pisser, dessinez femme aussi. Elle ne va pas pisser là-bas. Vous n'avez pas dessiné femme. Vous avez dessiné homme. Moi, la femme, ça pisse. Où est le problème? Applaudissez pour la femme. Donc, tellement que l'homme l'a élevé, elle est pissée kiss immédiatement. Pissée kiss, comment on dit ça? Elle tombe, et puis on appelle la Bella si c'est elle, prend ça. Pissée kiss, vous comprenez, non? Ah, les femmes. Ce que femme veut, ce que femme veut. Un matin comme ça, une femme l'a dit à son mari, sérieux. On s'est dit, on va passer l'après-midi à la place. Mais c'est dit, non, quand ce que femme veut, Dieu le veut, nous va à la place. Après la place, elle dit, c'est dit, aujourd'hui, ce soir, on va manger dans un restaurant chinois. Mais c'est dit, non, ce que femme veut, Dieu le veut, nous va manger dans un restaurant chinois. Quand elle mange, monsieur l'a dit, bon, c'est dit, fait nuit, on va demander Fatih, non. Elle dit, il n'y a pas de problème, Fatih vient. Madame dit, celui, c'est moi, c'est Père Fatih. Monsieur dit, ah, tu vas payer ça? Je dis oui. Ce que femme veut, il faut payer. Arrivé à la maison maintenant. Madame regarde, monsieur dit, hey, monsieur, tu sais ce que je dis là? Je vais dormir chez le gardien.
ce soir la nuit là, je passe avec les gardiennes. C'est ce qu'il veut, ce que femme veut. Mais c'est le gars, tu es malade. Tu es malade, ça va pas dans ton tête. Elle dit, attends, depuis matin là, ce que femme veut, on fait ça, Dieu le veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. À la place, Dieu le veut. Dieu le veut. Et ce soir, tu dis quoi? Je vais faire ça. Je vais dormir avec les gardiens. Mais pourquoi pour ça là, Dieu ne va pas veut? Dieu veut ça, je vais dormir avec les gardiens. Est-ce que Dieu peut faire ça? Non, c'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord. Les gens ils disent les choses, ils écrivent. On écrit ça dans les livres, on écrit ça dans les bibles, on écrit ça partout. Les gens mettent ça dans la tête. Ce que femme veut, Dieu le veut. Non, faut pas rien. Non, je sais de quoi ça, moi ça parle. C'est ça. Il y a des choses, je ne peux pas dire ici. Hein. Je ne peux pas dire. Parce que quand les gens sont nombreux, je n'aime pas dire ça. C'est pourquoi moi, je me suis énervé, j'ai dit non. Je vais envoyer ma femme dans l'église. Elle va comprendre les choses. Quand on est arrivé dans l'église, le pasteur dit non, attendez. On va faire 2 minutes de silence parce qu'on a impliqué, il y a certains, ils sont morts. Dans le silence là, on a écouté et pourtant de quelqu'un il chante. Allah Akbar. Allah Akbar. Les gens ils ont commencé par sauter sur lui. Ils disent attendez, pourquoi vous sautez sur lui? Elle dit non, c'est quoi ça, on a l'habitude de dire Allah Akbar et puis on attend boum. On attend devant la télé ce soir. Il y a explosion quelque part dans l'église, etc. On connaît les conséquences là. On va l'attraper, on va brûler lui. Le pasteur dit non, lui, il ne faut pas le brûler. C'est que le vendredi, il était musulman, le samedi, je l'ai vu, j'ai parlé lui de Jésus, je l'ai transformé. Aujourd'hui, il est chrétien, mais c'est son portable, il n'est pas chrétien. On va prendre son portable, on va le baptiser. Donc, on a envoyé le patin devant. Parce que là, il m'a dit, il faut envoyer l'eau. On a pris son portable, on l'a mis dans l'eau. 1, 2, 3, au jour de jeudi, tu es baptisé. Tu n'es plus portable musulman, tu es devenu portable chrétien. Non, c'est vrai, quand tu marches, tu as trouvé un portable à terre. Si le portable est musulman, il n'est pas musulman, tu le sauras. Quand tu prends le portable, quand tu ouvres, si tu ne vas pas les mosquées dedans, tu vas voir les... Vous voyez, non? Vous voyez les trucs, vous voyez les djihadistes. Tout ça, là, il est dans le portable. Mais si c'est un portable chrétien, passe les portables, vous allez voir un chrétien, on a crucifié, lui, ou bien c'est Marie, il a pris Jésus. Bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est un man? Non. Qui a un musulman ici? Il n'y a pas un musulman? Allons seulement. Allons seulement, oui. Ok. Donc, on a pris le portant, on a dit, il faut sonner le numéro. Quand on a sonné le numéro, il a chanté. Mais chanson, là, je ne vais pas dire. On a passé, on a dit, maintenant, il est devenu chrétien. On fait encore 2 minutes de silence. Dans le silence, on attend le portable du pasteur, ça sonne. Quelqu'un appelle le pasteur. Le pasteur attend son portable en train de chanter maintenant. Hanom bébé chanwale. Dans l'église. Dans l'église, et puis c'est le portable. Hanom bébé chanwale. Sawa, 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 le. Asiao, bon, bon, manébori, coton, à tout coup bébé, à wokerege, bon, dans tous les fidèles, comme la chanson là, ça fait, non, tout le monde a commencé par danser, même ma femme, voilà, c'est là, elle a demandé divorce, elle a soulevé son truc, elle a comme ça, alors bébé, ça lui dit, attends, c'est pas ici, c'est maison, fait ça, c'est quoi ça, donc elle a divorcé là-bas, je l'ai laissé, moi je suis parti. Je suis arrivé à la maison, je vois les enfants, ils sont en train de se dire, il y a quoi? On dit, c'est... monsieur, il a frappé l'enfant, il dit, pourquoi? On dit, depuis la semaine, le monsieur, il parle de ses enfants, il parle aux élèves, il dit, le respect, la salutation, c'est correct. Quand tu te lèves matin, tu vois quelqu'un, tu le salues. Tu viens à l'école, tu vois le professeur, tu vois l'enseignant, tu le salues. Si tu n'as pas salué ton enseignant, attention. Donc, le lundi, même chose, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi. Vendredi soir, les enfants jouent dans la cour. Le moment où les enfants sont en train de jouer, les renseignants sont en train de chier dans Bruce là-bas.
Les parents sont en train de jouer jusqu'à les parents là. Il est arrivé chez l'enseignant d'Abruce là-bas. L'enfant, il va aller chercher son ballon. Quand il marche, il a pris son ballon. Il veut pas voler, il voit son enseignant là. Il a très chié. Il prend le ballon et dit. Ils avaient dit, merci, bonsoir. Mais il regarde, dit, bonsoir. Il savait voir ses amis. Il dit, monsieur, il est là-bas, hein. Il vous a vu. Faut aller saluer. Donc tu vois tout le monde, ils sont sans deux. Ils sont derrière. Monsieur, bonsoir. Monsieur, bonsoir, monsieur, bonsoir, monsieur, bonsoir. Monsieur, on peut dire, mais c'est quoi même? Salutation, c'est forcé. Monsieur, tu as dit que c'est forcé, hein? Non, quand on est en CP1, c'est bon. CP1 seulement, c'est bon. On a quitté Lomé pour aller au Mali avec mon ami. Dans la voiture là, ou dans le bus là, moi j'étais devant. Mon ami il est derrière, à côté d'une femme blanche. Elle est de Ouaga. Elle a son enfant. Alors on m'a donné, l'enfant, elle pleure. La dame lui donne son sein, l'enfant ne veut pas manger. La dame est obligée de dire, bébé, si tu n'as pas pris son sein là, monsieur qui est là-bas là, elle va boire ça. L'enfant ne veut pas boire sein là. Jusqu'à on est arrivé à Ouaga. Même nous on s'en va à Mali. Quand on est arrivé à Ouaga, madame va descendre. Mon ami aussi la descend avec madame là. Je dis, mais tu t'en vas où? Nous ça va à Mali, tu as Ouaga ici. Elle dit non, madame la depuis il dit, c'est une promesse. Promesse est une dette. Je vais boire son sel là avant de rater. Bon, je l'ai laissé là-bas. Moi, je ne sais pas quel travail il fait actuellement à Ouaga. Ah moi je comprends pas. J'ai dit mon ami, viens, on s'en va à Bamako. Elle dit non. Laissez les rousses comme ça. Madame l'a dit, il va donner son sel là. L'enfant n'a pas bu le sel là. Lui va boire ça avant de partir. Car promesse est une dette. Tu as mis quoi dedans? Biscuit. Biscuit. On peut enlever. Ok. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire compte dans l'église. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, non? Oui. Le pasteur, il est là, dit Alléluia! Praise the Lord! Mais quand les gens, parce que c'est que le pasteur là, donc quand il dit les bonnes choses. Mais les gens qui veulent avoir les hommes là, ils veulent avoir femme. Quand ils le donnent, Alléluia! Et les femmes là qui veulent avoir des gars. Alléluia! Les gens qui veulent avoir des miracles pour cette année. Alléluia! Alléluia! Cette semaine, nous allons faire veiller prière pour 3 jours. Alléluia! Alléluia! Le pasteur dit, mais je n'attends rien. Les gens qui veulent des miracles. Alléluia. Président. Alléluia. Tout le monde crie. Mais quand on a dit on va prier le soir, c'est un matin. On va prier le matin jusqu'au soir. Pendant 3 jours. Alléluia. Donc on attend les mosquées. Ça passe maintenant. On attend tout ça là. Et mais c'est bon, si les gens veulent devenir riches, mais ils ne veulent pas faire beaucoup d'efforts. Là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Bon, attention, il y a des gens aussi. Et quand l'urine là, l'urine là, ça te prend la vie. Tu dis non. Toi, tu peux faire, tu peux arrêter ça jusqu'à. Attention. Il y a infection cutanée. C'est ce qu'on appelle ça. Que ton professeur d'invité repose en paix. C'est bon, hein? Donc, essayez de pisser de temps en temps, boire beaucoup d'eau, essayez de pisser, sinon vous allez avoir une infection cutanée. Et puis, guérison là, non, c'est impossible. Alléluia. Je vous adore.
Il mérite mieux que ça, hein? Il mérite mieux que ça. Voilà. C'est pas facile de parler de l'église, alléluia, tout ça là. Est-ce que ça va?